Les amis, elle est incroyable cette maison. Au milieu de rien. Elle est vraiment abusée. Et il y en a juste une autre juste en bas, abandonnée aussi. Je vais faire ça là et dans la foulée je vais faire l'autre. On est d'accord, elle est abusée celle-là. Elle est géante. Camion. Alors ça là par contre elle est vraiment incroyable. Dans le camion il y avait ça, c'est pas montré. Alors, je vais y rentrer, hop. C'est un peu galère. Et ça, hop. Camion ménager avec un poste. En plein été, oh, stylé. En plein été, je pense que je me serais piqué par les guêpes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, hop. J'espère qu'il reste des choses à l'intérieur. Le camion, quoi, putain. Tout massacré. Elle est belle, hein. Pour me au milieu d'un champ, il a l'air de rester tout en plus, hein. C'est ce bazar. Oh. Malheureux. Oh. C'est dinguerie. Cette dinguerie. Y'a quelqu'un? J'entends l'eau couler là-bas. Elle est folle cette maison. Un truc qui coule là-bas. Ah oui, d'accord. Quoi qui coule. C'est ça. Ok. Pourquoi ça coule? Peut-être le trop plein. Cette maison elle est incroyable. C'est vraiment une galère pour accéder. Oh, c'est inondé quoi. Regardez la chambre. Oui, avec ça, ça, c'est de la marque, ça. Pas qu'il y ait des enfants. Le lit. Le canapé. Bon, je me permets de monter sur le lit, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Les lits à l'ancienne, comme ça. Oh, elle est incroyable, cette maison. Et dites-vous que juste en bas, il y en a... Ça pue. Dites-vous que juste en bas, il y en a une autre, quoi. Regardez-moi ça avec la mezzanine, comment c'est beau. Cette pagaille. En plus, elle est devant. C'est compliqué d'accès là-bas. Attends, regardez-moi ces trucs qu'il y a, c'est... Oh, elle a abusé, ça, là. Elle est vraiment abusée. Avec la mezzanine et tout, au calme. Le soleil qui commence à se coucher. Et il y en a une juste en bas, faut vous dire. C'est vraiment...
qu'elle a d'accès, quoi. Oh, elle est... Oh, elle a pourriture. Oh, il y a tout, quoi. Regardez la cheminée. Le canapé et tout. Regardez la grande maison. C'est abusé, hein. Regardez la cheminée, comme elle est belle. Et celle-là, elle est... Elle est magnifique, hein. Regardez. Oh, la cuisine avec les papiers, le vin, les assiettes, le rouge encore dans le cubi, regardez moi ça. Les couverts, il y a une pagaille. Regardez, encore tout. Les produits vaisselle. Il y a tout pour la médoc. Incroyable. Le micro-ondes qui a été pété. Enfin, le four. Il n'y a plus rien dans les frigos. Mais il n'y a plus rien. Et regardez la télé qui a pourri là-bas. La télé qui a vraiment... Et le meuble qui a pourri, quoi, carrément. Avec la télé qui a été démontée. C'est Mohamed Eni qui est passé par là ou quoi? Non mais c'est incroyable. Sous-sol, putain. Là-bas. Salle de bain. Ok, rien de ouf, hein, salle de bain. Tout pourri à l'intérieur. En bas. Petit sous-sol, on ira maintenant. On est tout petit, hein. Ok. Aidez-moi ça, des bouteilles, toutes vides. Tout est vide, bon ben. Petit sous-sol, hein, mais... Ah, elle est exceptionnelle, cette maison, avec la mezzanine, comme ça. Les bouteilles de gaz, bon, en gros, c'est un range-pagaille, hein, les fenêtres. Oh, j'ai pas vu, là, il y en a encore, là. Elles sont vides, hein. Elles ont été sifflées, comme on dit, hein. C'était dans quelle maison? Alors ça, la partie cuisine, par contre, c'est vraiment... C'est vraiment pas mal, hein. Ah, j'avais pas vu, avec le petit tableau, téléphone à l'ancienne comme ça là. C'était vraiment mis en pagaille, quoi. Pareil, une chambre encore. Avec des mots, cours Henri IV. Est-ce qu'il y a des ceintures? Est-ce qu'il y a des trucs un peu perso? Je crois pas, non. Je sais pas. La penderie, quoi. Le matelas qui a pourri. Tous les bulletins, là, regardez. Alors oui, je suis en short, on est au mois de janvier. Hein. Il fait super beau, hein. Faut que vous disiez ça. Ah, on a des prénoms, là, que je vais flouter avec l'adresse. Je crois qu'elle est pas bonne, mais bref. Je m'attendais pas à trouver une maison comme ça, parce que faut vous dire, pour ceux qui connaissent ce livre là comme ça, voilà, hop. Moi je disais, faut vraiment vous dire que la maison, elle est vraiment, regardez-moi ça, elle est vraiment isolée, genre elle est vraiment isolée. J'ai une petite tête sur le coca là. 2022. Là, c'est pas si vieux que ça, 2022. Il y a deux ans. La cheminée et tout, c'est incroyable. Le canapé retourné. Fauteuil roulant, le truc pour le bébé, là. Fauteuil électrique.
notre télé, regardez-moi ça. Notre télé comme ça là. Et deux télés cathodiques. Les dossiers là. Elle est énorme cette baraque en fait. Et le lustre. Elle est vraiment très très grande. C'est. Waouh quoi, tu te dis comment c'est possible? Elle est géante, regardez-moi ça, comment c'est beau la mezzanine. Elle est vraiment, tu dis retaper, c'est une dinguerie. Elle est vraiment en haut d'une colline, dans un grand chemin, au milieu d'un champ. Il n'y a rien pour perturber cette maison. Et elle est abandonnée. On va monter là-haut quand même. C'est exceptionnel. Regardez-moi ça. Super chaud, hein. Et mes pattes. Il y en a une pagaille, mais sans. Regardez-moi toute la pagaille qu'il y a. Il y a des. Ouais, là-bas, voir. Regardez-moi cette maison. C'est abusé quand même. Il y a un tas de paperasse. C'est quoi ça? Un aspirateur, des manteaux, je crois. Voilà, c'est des manteaux. Une tête de lit là. Regardez tellement qu'il y a des pagailles. Regardez, on peut même pas marcher. Donc il y a de la pagaille. Regardez-moi toute la pagaille qu'il y a. Regardez-moi ça, t'as au moins un mètre de pagaille. C'est abusé. Regardez. La pagaille qu'il y a. Je touche le plafond. Tellement qu'il y a de la pagaille. Il y a des noms sur les feuilles, il y a des livres. Des jeux pour gamins, des bouquins là-bas. C'est abusé la pagaille qu'il y a. Regardez-moi ça. Regardez, on va même pas. Regardez, on va juste mes pieds sur le miroir. C'est abusé, hein. Toute la pagaille. Et là, il y a un truc. Et là aussi, il y a de la pagaille, hein. C'est les combles, hein. Oh, ça, c'est vieux, ça. Regardez-moi tout ce bordel. C'est incroyable quand même. Cette maison là. C'est pas bien, par contre, là, c'est. On peut même plus marcher. Il y a une chambre là-bas aussi. Ah bah là aussi, hein. Un matelas rond comme ça. Un énorme matelas. Avec un lit. La grande étagère magnifique comme ça. Mais par contre, la chambre d'à côté, c'est vraiment fou la pagaille qu'il y a. Le siège, regardez. Il y en est vraiment au milieu de la campagne, quoi. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas grand chose dans cette chambre. C'est un apport. Hein. C'est abusé, hein, la merde qu'il y a. C'est. C'est quoi, là? Bordel, on peut même plus passer à gauche, t'as manqué la pagaille. On va passer à droite. C'est quand même impressionnant cette petite maison là. Avec les machines, je sais pas ce que c'est ça. Pareil, ça c'est quoi ça? Un truc rond comme ça, je sais pas ce que c'est. Regardez-moi ce bordel. Je répéterai. Oh, le piano. Il y a une maison en bas, plus bas, j'espère qu'elle va être aussi bien. Il y a tout, quoi, il y a tout. La mezzanine est vraiment belle, hein. Et la maison n'est pas pourrie, c'est ça le truc. Ouais, ça, qu'est-ce que c'est? On va taper les deux dernières pièces du haut. Là, pareil, de la pagaille, bordel. Oh, l'atelier, sûrement, je sais pas ce que c'est. Les coquillages. Des clous, des vis de partout, des outils. Parapluie, un truc pour faire du sport là, pour avancer. La roulette, non, c'est même pas pour faire du sport, je crois que c'est pour la. Pour ceux qui ont eu des problèmes avec les jambes, pour la rééducation, pardon. Un objet, je sais même pas ce que c'est, regardez ça là. Qu'est-ce que c'est un Cadillac, je sais pas. C'est souvent un atelier dans un étage avec la peinture, il y a tout. Tout de la paperasse que je ne pas parce que le nom. Qu'est-ce que c'est pas ça, c'est impressionnant. Les dernières pièces là. Ouais, pareil, c'est vraiment le bins. Un PC, regardez le PC. Le PC ouvert.
PC, un compteur, des machins pour les escaliers là-haut, un meuble. Il reste tout. C'est un dépotoir. C'est un truc de malade. Cette maison est tout bonnement exceptionnelle. Là-bas, là-bas on n'y passera pas. Mais c'est quand même dingue, hein. Cette maison là. Et on entend l'eau couler encore en bas. Bon ben, sans explorer, il y a tous les trucs pour les électriciens. C'est vraiment, on peut même pas marcher. On peut même pas marcher avec un litre de bricolage, je crois. Pour faire... Ouais. Il y a tout. Oh, mais comment ça a pu être abandonné, cette demeure, quoi? C'est vraiment une demeure. Regardez, tout le bois, t'as tout. T'as tout, c'est abusé. Absolument tout. Des télés, des ordi, des trucs pour les électriciens. Ah, une petite photo là. C'est qu'un téléphone ancien. On verra pas très bien. C'est la vue est belle, hein. La vue est magnifique en tout cas de cette maison. Et puis je vais voir si je peux faire des petits plans en drone. Mais c'est. Je suis surpris. Et en bas, il y en a juste en bas, peut-être les voisins. Regardez, ça, pour ceux qui rangeaient les disques. Voilà. Et l'eau, ça coule là-bas. C'est abusé, hein. Franchement, hein. Elle est abusée, celle-là. Sacrée maison. Sacrée house. Wow, je suis surpris. Avec le camtar là, on est vraiment au milieu d'un champ quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai couru. Il y a ça aussi. Une sorte de ranch à côté, il y a un tracteur aussi. C'est vraiment un truc qui monte, regardez. C'est beau avec le soleil qui se couche. Et l'eau qui a, ouais, ça a inondé là. C'est vraiment beau. Et là-bas, en fait, on a des sortes de box, de petits box pour dormir. Ça vient. C'est marrant parce que c'est la maison, en fait, est en plein dans un chemin de randonnée. Les types, ils peuvent passer, aller checker la maison. Et voilà, c'est ça. On n'y rentrera pas parce que c'est condamné. Ouh, putain, mais oh, calme-toi. Fais du cardio un peu. Et voilà quoi, c'est des petits box pour dormir. Normalement, dans nous avez vu le tracteur, je vais essayer de le voir de plus près pour voir ce que c'est. On dirait que c'est un John Deere, je sais pas. Juste derrière, je vais faire le tour. Et on verra si on a le temps d'aller faire la petite maison après parce que. Magnifique. Ici, regardez juste derrière le champ, le tracteur que j'ai pu avoir en drone. Il est vraiment camouflé. Putain. Le tracteur, c'est quoi? C'est un. Aïe. Il est beau. T'as de la rainette partout, bien sûr. Si vous voyez. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme marque. Là-bas, après c'est la broussaille, on pourra pas y aller. Parce qu'il y a un garage, il y a une voiture. En tout cas, beau tracteur. Ouais, les amis, fin de l'exploration. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était dingue, celle-là. Je m'attendais pas à la voir dessus parce que quand je l'ai vu de haut sur la map, je me suis dit, ouais, ça va être une vieille grange pourrie. Mais effectivement, non. Elle est vraiment très propre. Hop. C'est ça qu'on aime. Mois de janvier, il fait 20 degrés presque. On est en short. La campagne, regardez-moi ça, comment c'est beau, putain. Qu'est-ce qu'on est bien à la campagne. Team campagne. Hein. Donc sur cette belle maison, on va s'arrêter là. Regardez-moi ça. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Moi en tout cas, j'ai trouvé super extraordinaire cette maison. Au milieu de rien. Des champs, des bois. Il y a un chemin de randonnée, il n'y a rien, il n'y a rien. On est en 3G frère, il n'y a même pas la 4G. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, TikTok. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres explorations. J'allais voir la maison en bas si elle est bien. Et puis, bye.
juste en bas, il y avait ça. Et en fait, il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de trucs. Regardez le camion là-bas, en bas. Regardez le camion. Ah ouais, je vois. Eh, en bas, t'as un étang là-bas. C'est ça l'eau qu'on entend. Ok. Bon, j'ai laissé la voiture allumée quand même, faut pas déconner. Il y a plein de trucs en vrai. Aïe. On dirait un truc de guerre ça. Regardez, on dirait un truc de guerre. Chose, mais ouais, bon, y a rien, c'est de la pagaille. Putain, mais c'est ouf, c'est ouf quoi. Bon, bref, pas de voiture, c'est pas grave.